à cela. Bon, je bénis l'église. Ils ont dit, c'est lui qui est loin de position ça. Et puis, orgueil, moutel. Et puis, lui pète un côté. Lui sort de l'église en aller. Ça veut dire bénédiction. Qui ne roise avait pour lui là. Non seulement perdu, mais lui allait sans béni. Josué passe un pile temps à côté de Moïse. Moïse, où est dans Josué? Il y a un monde qui a mouru. Qui a représenté? Lorsque Dieu où est dans Moïse, comment elle pensait, comment elle réfléchit? Dieu m'a fait ça parce que livrer fait Moïse plaisir. Parce que Moïse mourit déjà. Mais Dieu fait parce que lui est Josué, c'est le monde qui est. Josué, c'est le monde qui est mieux placé pour représenter. Mais pour diriger le peuple là en absence de Moïse. Et c'est le jour que ça fait que l'éternel Dieu, dans Josué chapitre 1er, nous fait appel à Josué. Lire les Josué. Le bon Dieu après le premier bagage, il fait pour vous. Lui nous lever. Bon Dieu bénit l'église. Amen. Le bon Dieu relève un homme pour travailler pour lui. Premier bagage, il dit, lui nous le lever. Ça veut dire lever quand on y est. Lever nos affaires. Quitter son affaire, le lever. Deuxième façon de attirer attention à soi. C'est parce que place pour Dieu réservé pour vous. Pas de monde qui a pris le pas qui a pris place là. Ça, mon Dieu, serait pour vous. Pas de monde qui a pris. Mon Dieu, bénis l'église là. Bénédiction qui est réservée pour vous. Pas de monde qui a pris. Parce que bon Dieu, c'est pour vous le servir. Et bon Dieu dit Josué, le lever. Tu as dit que c'est un temps. C'est assistant. Mais qui est où tant qu'on y a assez de monde qui va l'assistant. L'exagré va comprendre ça. Amen. Mandez pour mon Dieu ouvrir les yeux pour comprendre le niveau, pour comprendre la dimension de l'évangile. Ça vous fait. On a dit si t'es où tant, c'est où qui t'a qu'on a assisté. Mais qui est où tant, que vous qui va l'assister. Amen. Bon Dieu bénit l'église là. Amen. Bon Dieu bénit l'église là. Amen. Et Josué. L'éternel Dieu parlait à Josué, il dit Josué, ou pas besoin de peur pour engagement ça. Parce que Josué connaît le peuple à l'Iopile. Il y a un peuple que Dieu te fait promesse, le rentrer dans la terre promise. Il y a un peuple que Dieu te fait promesse que normalement il est pour conquérir Jéricho, la ville de Jéricho. Peuple a pas encore arrivé à Jéricho. Peuple a été dans le désert allié. Moïse mourut. Et Josué a eu espoir que c'est avec Moïse qui va rentrer. Vous devez venir l'église là, oui. Et Josué, t'as semblé de l'engagement ça. Mais là, l'éternel voyant, vous mettez à l'église fermée. Vous devez venir l'église là. Depuis que nous faisons choix de où, nous faisons profit, position. L'Éternel dit Josué, c'est vous-même qui avez mené le peuple là, quand vous avez promis que je m'en voyais. Il dit Josué, vous n'avez pas besoin de paix. Vous n'avez pas besoin de paix. Moi-même qui voyais là, je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas quitter. Je ne vais pas quitter beaucoup de nous. Même si vous avez un gros lion qui vient sur vous pour empêcher d'avancer. Mais moi-même, ma copine avec vous, je vais quitter pour tout. Non seulement je vais quitter Josué pour tout, mais je vais accompagner Josué. Mais il dit Josué aussi, dans verset 8 là, parole ça, quand on joue dans le livre, la loi mosaïque là, il dit c'est pour toujours dans le bouchon. Vous devez bénir l'église. Amen. C'est pour toujours enseigner. C'est pour parole ça, par chaque sortie dans le bouchon.
Puisque parole ça comme chose sortir dans bouche, on veut parole ça, il n'a pas chose sortir dans bouche peuple là aussi. Et le Seigneur dit Josué, c'est pour agir fidèlement. Regardez mon petit quand on l'a dit, agir fidèle. L'Éternel dit Josué, c'est pour agir fidèle. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que lorsque Moïse mourut, de l'autre monde qui était bien préparé, selon sa vie, mon Dieu, qui est Josué. Pour que ça, c'est Josué maintenant choisi. Pour que bénisse l'église. Gardez mon petit moment là, dit, vous pouvez recevoir une bonne nouvelle. Ou que vous pouvez recevoir une bonne nouvelle. Et bonne nouvelle que Josué va recevoir, c'est parce que maintenant il a dit Josué, le lever après te préparer de bon. Hier soir, moi j'ai étudié avec vous le leadership de Josué. Et j'ai étudié avec vous l'implication de Dieu dans cette histoire. Mais à ce moment-là, moi je viens de dire que vous avez un bon nom. Moi je viens de dire que vous avez un bon nom. Bon temps, bon, bonne nouvelle. Bonne nouvelle que vous portez pour vous à ce moment-là. C'est prophétie ça qui te fait tout de Josué là. Moi je ne peux pas abandonner.